Andrea est un fil ordinaire de la vie de la paz, vivant l'excès de la vie quotidienne. Mais un jour particulier, une série d'événements malheureux se sont produits. Les personnes ne pouvaient croire qu'elle avait eu une telle malchance, surtout elle. Cinq jours. Et non pas été bon. Je ne pensais qu'elle était bonne, mais ma nuit. Andrea. Andrea, es-tu là? Oui, qu'est-ce que tu veux? Je suis pressée. Je dois aller chez le médecin. N'oubliez pas les lois au monde. Vous êtes déjà en retard de 2 mois sur les loyers. Pas de problème. Tu sais que je te paye toujours. Tu as dit la même chose. Le mois dernier, es-tu en retard? D'accord, d'accord, calme-toi. Fais attention à une crise et je promets de payer. S'il vous plaît. Eh bien, je te donne cette fois, mais si tu ne me payes pas tout le mois prochain, tu pars d'ici. Quelle malchance! D'avoir parlé à sa madame, j'ai perdu le bus. Alors, je vais devoir marcher chez le médecin. Andrea, n'est pas être possible. Vous êtes toujours en retard au rendez-vous chez le médecin. Et ils sont très importants, car il y a d'autres patients à assister. Vérifiez vos études. Vous avez des nodules mammaires. C'est dangereux à cause de votre âge. Oh non! Qu'est-ce que c'est que... J'ai fait par mériter ça? Calme encore. On ne sait pas ce que c'est. Vous avez besoin d'une mammographie. Je vais voir ça et je t'appellerai dans quelques jours. Ne sois pas en retard la prochaine fois. C'est pas de chance. Que vais-je faire? Quel lendemain définitivement maudit. Il n'y a pas d'autre application. Andrea, c'est sur son aile pour arriver. Excusez-moi, ce qui s'est passé. Pas d'excuses. Vous savez que nous devons fournir les rapports mensuels de vente à bureau régional? Oui, oui, je sais. J'ai regardé. Ça a l'esprit toute la dame. Vous savez, donc il doit être livré jusqu'à la fin de la journée? Oh là là, ce n'est pas possible. J'ai commencé à la faire. Alors? Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Oh, quel dommage. Mais j'ai eu un rendez-vous avec mon mari. Quoi? Où est mon portable? Oh, quelle journée! C'est bien. Je ne peux pas communiquer. Mais je vais d'abord devoir terminer ce report. Ah, encore en retard. Oui, j'ai perdu mon téléphone portable et je n'ai pas communiqué. Mais vous pouvez appeler depuis un autre téléphone. J'ai aussi 2 livres, un report super important. Donc, j'ai été très stressée et ça a passé. D'accord? Quoi? Cette dîner m'a coûté beaucoup d'argent et mon temps, c'est tout. Je te laisse.
Quelle honte. J'ai pensé que quelqu'un m'a vraiment ensorcelé.